Eh bien, bonjour à tous, j'espère tous de très bien, c'était KBS, on se retrouve jeudi pour l'épisode numéro 39, et ouais, bientôt la quarantaine, de Pokémon Sacré Code, bientôt la fin de la série également, hein. Donc voilà, hein. on approche très certainement de la fin. Pourquoi je prends cette voix, j'en ai aucune idée. Mais si t'as apprécié ou pas, bah mets un pouce bleu quand même, hein, dans tous les cas. Voilà, hein. Et on se retrouve aujourd'hui pour la revanche finale, le rematch final, le dernier combat final contre Silver, notre rival. Notre rival Silver, et eh oui. Mais pour ce faire, il est au plateau Indigo uniquement les lundis et mercredis, si je dis pas de conneries. Vu que je tourne la vidéo un samedi, j'ai dû modifier mon horloge pour que ça passe un mercredi. Par contre, c'est pas ici que je voulais aller, je voulais aller dans Poké Gear. Et du coup, nous sommes bien Wednesday, mais en vrai, nous sommes Saturday. Mais écoutez, voilà. Et du coup, il est bien le rival le mercredi, ok. C'est validé. Oui, je fais le changeling maintenant, oui. Tes Pokémon surentraînés vont m'écraser, ouais. Maintenant, ici, je te challenge, ok. Bah, c'est parti pour le combat final contre Silver, aka Vincent pour les intimes, bien sûr. Il envoie son Honchkrow. Ah oui, c'est vrai qu'il a activé des Corbosses, donc le Relief Repairer était bien. Maintenant, faut-il, encore une fois, qu'il n'y ait pas de Miss, enfin de Dark Pulse Flinch. Ah, il fait Drill Pet, ok, il est con. Écoutez, excusez-le, hein. Il croit qu'il va me tuer avec Begvrill, là. Et je Miss Stone Edge, bien sûr, mais je reste digne, hein, non. Surtout que, bon, il spam Begvrill, donc, dans tous les cas, je suis pas très inquiet. Ok, le Lame de Rock qui part, du coup. Qui devrait, à mon avis, tuer, hein, je pense, son Honchkrow. Et même s'il serait amené à tenir, derrière, ce serait pas très grave. Voilà, il est KO. Il est KO, votre pote. Alakazam, encore lui, putain. Alakazam, sinon, c'est un peu comme que j'ai vraiment du mal à gérer. Hein. C'est officiel. J'ai du mal à le gérer. C'est chiant. Je pense qu'il va écosphère en vrai là, donc Typhlosion est peut-être un bon... Parce qu'il me semble qu'il a Energy Ball sur Alakazam, donc je pense qu'il va écosphère là. Donc Typhlosion est un bon choix. Il fait Focus Blast qui miss. Donc je peux taper un gros Fire Blast. Car derrière je pense qu'il sera sous brasier, à moins que ça fiche pas assez de dégâts, je sais pas. Je pense que c'est sous brasier là. En tout cas on va vite le savoir si je suis sous brasier ou pas. Parce que si c'est pas le cas... Ah mais je suis pas sous brasier, je viens de calculer. À un PV près, j'étais sous brasier. Dommage. C'est dommage. Ok, il utilise un guérison comme ça directement, ok. Du coup, il me tue. Dommage, parce qu'à un PV près, Typhlosion gagnait. On peut envoyer Dracolos pour taper un extrême vitesse. Extrême vitesse qui aide à gérer les Alakazam, bien sûr. Ça fait quand même deux vidéos, on affronte 3 Alakazam et on a du mal à gérer 3 Alakazam. C'est mon... ma team a du mal contre Alakazam. C'est comme ça. Et 72 pour Inastock. Electivire. Qui doit avoir point glace, j'imagine. S'il l'envoie comme ça, c'est qu'il a point glace, sûrement. On prend ses... après, je peux peut-être tenir, non? Je sais pas. Ouais, je pense pas, quand même. Hein. Pas déconner, quand même. Non. Bon, je vais renvoyer Rhinastock, du coup. Parce que je pense que Rhinastock tient n'importe quel de ses coups, en revanche. Hein, avec Solid Rock, plus sa défense. Mais il a juste Brick Break, en plus. Parce que pas d'être inquiet. Ah, le coup critique par... Ah, c'est pas un coup critique, ok. Ah, bah, excusez-moi, j'ai sous-estimé les câbles, mais mes excuses à la mascotte de ma chaîne, bien sûr. Pardon. Toutes mes excuses, énormes. Toutes mes excuses, bien sûr. Il ne tient pas le séisme, par contre. Il ne tient pas le séisme. Il envoie à ligature, ça, c'est un problème, en revanche. Le 78.
Alors d'un côté j'ai envie de rester, mais de l'autre non. Je pense que je vais envoyer Carnaticho. Il fait un Quetel qui misse. Est-ce que je fais une Sword Dance là? J'ai très envie hein. Allez. Je pense que je suis en mesure de tenir un coup. À moins qu'il ait point glace et là c'est la sauce. Ok. Alors attention à la ligature là. Hein. J'avais pas prévu qu'il allait faire ça. Non mais c'est sûr que. C'est sûr que ça tue, c'est sûr. 100%. J'ai aucun doute là-dessus. Je suis pas sûr en vrai. Je me disais. Alligator a un très bon bulk, hein, c'est... Mais il aurait mis sa Quetel sur des poules. Bon, là, y a aucun monde où je tiens. En revanche. Je pense qu'en vrai, là, il mourrait du... Il mourrait de la Quetel, le Canarticho... Enfin, le Canarticho... L'alligator mourrait du close combat, pardon. C'était gagné. Bon, il n'a qu'un seul guérison, oui. Ça n'a pas changé. Ah là 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 là. Gengar. Pourquoi j'ai pas Shadow Ball, moi? Parce que je suis con. C'est sûrement ça. Par contre, je pense que je dépasse le... Ah mais mon Gengar dépasse le sien, c'est sûr. Regardez bien, c'est pour vous. Après, il y a un monde où je tiens. Il est peut-être pas de Choice Specs, le sien. Enfin, je pense pas qu'il le soit, dans le sens, c'est impossible. Coup critique. Le coup critique. Et là, on me dépasse, bon bah... Voilà, hein. Et il mise pas Focus Blast en plus, hein. Bon. C'est KO, hein. Voilà. Hein. Je peux le raffronter immédiatement, on est d'accord. Du coup, il est d'un coup, je crois, c'est ça? Ouais. Ok. Bon, c'est pas parce que tu m'avais battu il y a 2 minutes, hein. Ça, tu t'en rappelles plus déjà. T'es amnésique man, quoi. Allez. Bon, c'est pas si je mise pas. Donc, j'ai plus de PV. Attendez, la Kazam, je peux le gérer, peut-être. Il y a moyen. Est-ce que tu meurs de Focus Blast Hyperior? T'es Solid Rock, quand même, hein. Il y a un monde où tu tiens, hein. C'est que x2, hein. Bah, de la merde, hein. C'est de la merde. Pourquoi je fais ça, putain? Espèce d'idiot. Ah, mais en vrai, je suis plus rapide. What the fuck? Ok. Ça, je l'ai pas prévu. Ok, bon là c'est le coup électrique qui va partir. Ah mais non, Hyperior est mort. Ah, je pourrais pas, je peux pas gérer les câbles. What the fuck? What the fuck? Non mais il meurt, regardez. Oh! Carnaticho en train d'arnaquer la game, JPP. Incroyable. Incroyable, hein, franchement incroyable. Et le Gengar. Mais regardez, mais si je dépassais la case, je dépasse le Gengar, hein. C'est de honte! Eh, mais je pense que Brave Bird il tient pas en plus, hein. M'étonnerait qu'il tienne, hein. Quoi? Mais c'est quoi, c'est. Non, mais c'est une plaisanterie là, oh, tu te fous la gueule. C'est quoi pour la peine? Je vais te. Attendez. Je pourrais le bait en vrai? À savoir si c'est rentable. Non, j'ai envie de Dracolo, je vais me placer. Parce que là, il va faire. Il va avoir guérison, ouais. Là, je DD. Et derrière, je joue Edge. Là, on fait ça, on fait ça.
on fait ça. Bon. Ça va. On réussit à s'en sortir. On réussit à s'en sortir comme on peut, quoi. Ça fait plaisir. Alligator. Mais normalement, on trèche à plus 1. Ah, je suis curieux de voir si tu tiens un colère à plus 1. Dracolos, sachant que t'as quand même un Wumble, hein. Pas déconner, Alligator. Bah, en vrai, je suis curieux. Donc, on va voir ça maintenant. Non, c'est vraiment trop fort Dracolos. Dracolos a plus 1, je crois qu'il tue n'importe qui. Hein. Sauf les types acier, bien sûr, qui résistent au type dragon, mais je pense qu'il tue n'importe qui sinon. Hein. Et le Maganon. Mais Maganon, bah non. Non. Tu ne tiendras pas. Désolé. C'est terminé. Niveau 73. Hyper beam, hein. Ultra laser du coup. Ultra laser c'était très fort sur Dracolos à une époque, mais alors maintenant c'est devenu très nul. Pas très nul. C'est non, bien sûr. Mais quand je me rappelle quand Ultra laser était l'attaque ultime et tout. Ah là, c'était le bon temps, ça. Ah non, je ne peux toujours pas gagner après tout cet entraînement. Je dois croire plus en mes Pokémon. N'oublie pas de soigner tes Pokémon avant de... Très bien, bah on va s'arrêter là du coup pour ce petit épisode. Ou la prochaine fois, on fera la deuxième ligue. Et là, croyez-moi, ça risque d'être encore moins marrant. Enfin, c'est surtout le combat contre le maître qui risque d'être vraiment compliqué. Encore les autres membres du conseil 4, je suis pas tellement inquiet. Enfin, quoique. Je pense, en tout cas, ça va être compliqué. Mais certains plus que d'autres, à mon avis. On verra bien, de toute façon, ce qui va se passer. Dans le prochain épisode qui sera l'épisode 40 de Pokémon Sacred Gold. Et comme je vous l'ai dit, on se rapproche doucement mais sûrement de la fin. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu ainsi que le commentaire. Le pouce bleu très important comme toujours pour référencer la vidéo, pour faire plaisir, pour motiver. Et je vous dis, bye tout le monde, c'était TeleCableBest. Ciao.